Bonjour, bonjour à toutes. Euh, avec plaisir, comme d'habitude, nous retrouvons-nous pour euh, parler euh, de la cuisine traditionnelle simple à la Réunion. Et aujourd'hui, euh, nous va préparer un sauce sardine euh, avec des sardines en conserve. Les sardines dans le temps longtemps, de monter, acheter en paquet euh, pour, euh, fait, euh, pour les fins de mois et pour le mois aussi, hein, parce qu'il était difficile le, le temps longtemps. Les gens ils mangeaient beaucoup de, de sardines et ils mangeaient aussi du poisson, puisque les pêcheurs golettes l'avaient un tacon et les pas pareil la législation de maintenant avec tous les lois que l'on pour faire ce sauce sardine là, nous va utiliser euh, des euh, oignons, du piment, du sel. Nous va utiliser un morceau de gingembre. Un petit aussi, euh, si on a des sardines frais, utiliser des sardines frais. Hein. Nous va faire la recette prochainement pour ces sardines frais. Là, nous l'a coupé un morceau de gingembre. mais un bon morceau de gingembre pour une seule personne. Euh, euh, il faut une boîte de sardines, dans certaines boîtes de sardines, il y en a 3 ou 4 dedans, les est largement euh, suffisant. Et ça, ça, tu peux manger un hein, sauce sardine euh, avec, euh, avec du riz euh, tel que c'est, ou sinon ça, un fricassé, euh, bread de chouchou, il passe bien. Sinon ça, si on a le grain, le grain vert, ou le grain sec euh, que vous avez fait cuire, il euh, est aussi bon. Après, euh, les gingembre, nous va bien couper les oignons comme de tiwala. Mais les oignons, euh, pour ce fricassé-là, pour ce euh, sauce sardine, coupe à lui bien fin, même, hein, coupe à lui en petits cubes de façon à ce que les oignons, ils fondent dans la marmite. Et nous, on utilise un, un poêlon parce que, comme il dit souvent, c'est pour avoir un plan plus large de ce que nous, les en train de faire. Sinon, on utilise un petit longtemps pour deux personnes ou une personne, il euh, est largement suffisant pour pour faire notre euh, sauce sardine. Euh, sardine en boîte, nous peut faire aussi euh, en salade. Mes premières la prochaine fois, on a fait une salade sardine. Et longtemps euh, dans certains commerces avant l'arrivée des fameux sandwichs américains ou d'autres sandwichs, ben faisait aussi euh, des sandwichs à base de euh, salade sardine avec des gros piments hein, dedans. Les, n'était pas mauvais. Ça fait penser à moi là-bas du côté de Sainte-Marie plutôt. Ben là, ils faisaient ça. Nous va prendre des tomates. Euh, nous va mettre un peu de tomates dedans. Nous va couper les tomates bien, bien fin même euh, pour la préparation de ce recette là. Les sardines ont bien augmenté auprès euh, de quelques années euh, de ça, hein. et la plupart du temps, euh, avant, euh, Demoun disait, euh, euh, il voulait pas trop trop manger sardines parce qu'il était réservé plutôt à de Moun, les les pauvres. Et comme est là qu'on nous regarde dans les bonnes rayons où pas le sardine, ben, le sardine traditionnel que nous voit dans ben, boîte, euh, que nous voit, euh, le, dans le les bonnes rayons là, presque plus, hein, arriver à la fin de euh, quand les gens commencent à faire des autres courses, il prend beaucoup de, de sardines pour attaquer les autres mois. Sur l'image, là les tomates, les oignons, euh, le gingembre que Mala a haché en petits cubes. Nena aussi, vous euh, l'avez vu, Nena aussi, euh, le piment, le sel et l'ail que Léla alors là, les épices, les bons. Les sardines, mais dirais moins personnellement, quand il débouche le boîte de sardines, Mais prend une fourchette et m'y enlève les 26 écailles dessus. Vraiment, moi, est un peu maniaque, mais je n'aime pas trop ces ce affaires-là dans dedans la recette. Et mi enlève aussi euh, les arêtes que j'ai en plein milieu. Les arêtes les déjà cuit, je vais dire, moi, mais gars, il n'enlève pas ça, il mangent tout avec. Mais moi, le fait qu'il croque sous la dent, euh, il m'y enlève à lui, il enlève toutes les bonnes affaires. Et euh, voilà comment il se passe le sardine. Il est ouvert comme ça. Et nous mettent euh, un peu d'huile que a dans dans la boîte de sardines, dans, dans, dans la marmite que nous avons fait cuire. Mais attention. Euh, des fois, il vaut mieux éviter parce qu'il pète bon peu, hein, il fait des éclaboussures, ben là, il, il, dit, il dit comme ça. Hein. Donc, euh, on ajoute un petit peu d'huile en plus dedans, puisqu'il n'y en avait pas assez. Comme ça, tu vois sur l'image, hein, il éclate, hein, il, il vole partout, quand hein, ça, tu mets de l'huile euh, dans la boîte. Nous euh, ajoutons les euh, oignons, que nous fait euh, revenir euh, à feu vif. Il euh, ne faut pas mettre petit euh, doucement en dessous, après les oignons, l'impression, ils euh, fondent pas du tout. Hein. Donc, à feu vif, nous euh, attaquent les bannes oignons. Quand les oignons l'ont fini euh, bien, bien frites, nous ajoutent le euh, euh, piment, le sel et l'ail ensemble. Nous ajoutons aussi euh, le bon petit morceau de gingembre que nous l'avons pris soin de couper en petits cubes. On nous coupe en petits cubes parce que le gingembre coupé en petits cubes euh, lui fait bien ressortir, il, il confie un peu hein, le, à, à l'intérieur, il confie, il, il donne un, un goût assez relevé au plat que nous sommes en train de préparer. La sardine euh, nous peut faire aussi en bouillon. Hein. Il y a des gens euh, dans, dans, dans la sauce sardine ils ajoutent un peu d'eau pour faire justement un bouillon sardine. Euh, L'est pas mauvais. Donc moi l'a fait, moi l'a mangé, moi la trouve euh, es bon. Et longtemps, m'y pense que longtemps sur le feu de bois quand maintenant il faisait ça, euh, les gens ils mangeaient bien, euh, mangeaient bien quand même. Et la sardine elle a quand même pas mal euh, de vitamines dedans. Elle est bon euh, pour euh, le corps, bien que c'est un conserve. L'idée est quand même pas mal. Alors, dans le sauce sardine, moi, m'y mettent pas de thym. Les gens, il y a certaines personnes, ils mettent le thym. C'est un peu comme dans le chevaquine euh, chevaquine moi, ils m'y mettent pas de thym. Ils euh, laissent les tomates comme ça. Euh, dans ce fameux sauce de sardine que nous l'entraîne fait, il y en a des gens, ils mettent, euh, euh, ils mettent du safran, du curcuma. Si les tomates sont un peu fades, nous peut mettre elles hein, pas bien bien mûres, nous peut mettre un peu de curcuma. Sinon ça comme là les tomates étaient bien bien mûres, bien bien roses comme il dit, euh, on va éviter de mettre le curcuma. Quand la sauce tomate a fini euh, comme ça tu vois, nous ajoute les sardines, comme on a pris soin de d'enlever euh, l'arête centrale, les n'aiment pas, moi m'aime pas d enlever. Euh, et là il est quasiment bon, prendre une cuillère, nous retourne euh, la sauce euh, que nous l'a fait, nous retourne, nous recouvre légèrement les bonnes euh, sardines et comme un autres, nous peut manger ça avec euh, un bon euh, un bon cari curry, euh, curry ou sinon ça un bon fricassé bread chouchou euh, les bons. Voilà la recette euh, l'a finie. M'y souhaite Azote un bon appétit. Midi dit Azote, tient beau, largue pas, reste bien calé et profite bien des recettes traditionnelles que nous propose Azote, que M'y propose Azote sur notre chaîne et c'est une façon de faire ressortir ce que les gens y mangeaient autrefois puisque la mode, il fait que bah, il conseille à nous de revenir à une alimentation plus saine et à l'alimentation que nous l'avions au tout début, avant la départementalisation midi. La recette l'a finie, merci à Zot, on y retrouve à la prochaine.